Lors de la frappe, les coins sont solidement maintenus sur le billot pour éviter tout accident et permettre une productivité maximale. Les chercheurs de l'équipe maîtrisent désormais bien la frappe. Après plus de 17 000 monnaies frappées lors des deux premières expérimentations, le coup de masse se fait plus précis. Même si la monnaie de bronze s'avère beaucoup plus difficile à frapper que l'argent. Comme dans l'Antiquité, la frappe se fait avec une masse. À Mel, on utilise une masse de 5 kg, proche de celle que l'on voit sur cette monnaie de la période romaine. On a frappé des monnaies d'argent les deux dernières années. Cette année, on frappe du bronze, mais l'année d'avant, l'été d'avant et l'été encore avant, on avait frappé de l'argent. On avait frappé plus de 17 000 monnaies. On avait montré que le coin de droit, puisque c'est celui qui suit le moins vite, pouvait frapper jusqu'à plus de 10 000 monnaies. Un petit peu plus de 5 000 la deuxième année. Là, on a déjà notre deuxième coin de droit. C'est-à-dire que le premier coin de droit est déjà complètement usé. Il a été usé au bout de 1 500 pièces. Et celui-là est en passe d'être usé aussi relativement rapidement, alors que c'est un bronze et que c'est le même alliage que les autres années. Ce qui montre que la frappe du bronze use beaucoup plus vite les coins monétaires que la frappe de l'argent ou de l'or. Le deuxième intérêt, c'est d'essayer de trouver un nombre, alors évidemment on ne va pas trouver le nombre exact, mais un nombre moyen de pièces qui a pu être frappées par ces coins. Puisque vu que ces coins étaient gravés à la main, on est capable, nous, quand on a une série de monétaires frappée par un roi ou une cité, de différencier chaque coin qui a été utilisé. Alors, si on arrive à connaître le nombre de monnaies qu'on peut frapper avec un coin, il va suffire de multiplier le nombre de coins qu'on a réussi à étudier sur notre série monétaire, de multiplier par le nombre qu'il a pu produire, on aura le nombre de pièces au départ qui a pu être produit. Donc ça va nous donner des informations sur le nombre de soldats qui ont pu être payés pour une campagne militaire ou des choses comme ça. Donc des implications beaucoup plus historiques que le côté très technique qu'on a ici.